Eh bien bonjour à tous et bienvenue sur une opération de Bomb Beach. J'espère que vous allez bien tranquillement. On se retrouve du coup pour des Bomb Beach. Vous êtes prêts? Hop, et normalement. Alors, qu'est-ce qu'on devait se lancer? Un tango des tangs, je crois. Puisque la dernière fois, nous avait fait du sang-froid et on les a tous fait. On les a vraiment tous défoncés. C'est plutôt cool. On va recommencer sur du tank. On va recommencer sur du tank. Voilà. On va recommencer sur du tank. La prochaine fois, on fera... Oh, peut-être que Siamito, peut-être. Siamito, peut-être. Siamito, ça pourrait être pas mal, parce qu'on a fait sang froid qui est au-dessus, mais j'ai oublié Siamito. Tiens, Siamito. Tank ou Siamito, tiens. La question qui tue. Tank ou Siamito. Allez, hop, Siamito. YOLO, c'est parti. Let's go! Donc il y a pas mal de coins, il y aura pas mal de personnes qui vont attaquer. Hein. J'ai tous donné rendez-vous pour 15h pour l'opération ultime, recordée naturellement. Nous on va aller voir un petit peu ce que ça vaut Quantum. Alors principalement, moi ce que je fais au début, généralement je pique en fait les petits points qui se trouvent sur les côtés. Tout à fait normal. Mais pour l'instant, je cherche une zone, lui il va être un petit peu chiant. C'est un dégât 2, ouais. D'attaquer de front ceci, ça pourrait être pas mal. Hein. Bon, il y a des lance-roquettes par là, lui il touchera pas, lui il touchera pas, il y aura que les deux là. Mais bon, ça fait quand même pas mal de dégâts. Brillant. Ah, brillant, ça a l'air déjà un petit peu plus sympa. Hein, il faut dire ce qui est. En fait, on attaque par là. Lui me fera peut-être... Ouais, il me fera chier, lui. Électro-canon, il me fera chier, par contre. On va pas attaquer là, et puis on va voir ancrage. Alors, lui, ok. Ah, lequel est le mieux? Quantum, il me plaît bien. Quantum. Sachant qu'il y aura ça. Ah, je l'avais pas vu, lui. Tiens. Ah, je préfère brison. Brison, il me plaît bien. Lui, en fait, ce qui me dérange, c'est surtout lui. Parce qu'il grille pas mal de choses. Bon, même si c'est très peu de dégâts. Il y a lui derrière. Après, bon, ça, c'est pas trop un problème. Mais c'est surtout les roquettes. Qui vont être assez chiants. Tiens, on va l'attaquer. Hop. Ah merde, j'aurais dû mettre les pourcentages de dégâts. Hop. Venez sur celui-là déjà. Voilà, hop. Il va se faire défoncer. Voilà. Alors ça attaque plutôt pas mal. Ça attaque même plutôt bien. Bon lui il va crever hein, de toute façon. Voilà. Lui ils vont crever de toute façon. J'espère qu'ils vont pas tous crever, j'aurais dû mettre vraiment les statuts de boost. Lui il arrête pas d'attaquer, on est à moitié de vie, on a très peu de chars restants. J'aurais dû mettre des soigneurs. Ah j'ai mal attaqué là. Et lui il arrête pas de tirer comme un tarde. Ouais, de toute façon, il y a les roquettes là qui me font chier, donc... Bon, bah, ça sera pas pour moi tous les points.
Tant pis. Ouais, les roquettes qui tirent, ils font quand même pas mal de dégâts, c'est con. Hein. À 2 minutes restant comme ça, ils vont crever de toute façon avant. Surtout qu'ils tirent toutes les 4 secondes, donc du coup. Allez hop, il va être fini dans les 10 secondes suivantes. Voilà. Bon, pas fini. Tant pis, fini. Mince. Bon bah, à vous. À vous, à vous, à vous. Ah, dommage, j'aurais dû activer mes power boost. Ça aurait fait 54% de plus par rapport à normal, ce qui aurait pu être bien, mais bon, tant pis. Tant pis, tant pis. Des bombardements, ça aurait rien changé. Ceux-là, ils se sont fait tuer comme des mouches. Faut dire ce qui est. Après cela, ouais, ça aurait pu fonctionner. Ils ont quand même 4 700 de points de vie. Ouais, ils en ont beaucoup plus. Non, 3 500. Ouais, ça va, c'est kiff-kiff. Hein. C'est kiff-kiff. Ils ont très peu de vie, mais par contre, ils se régènent à chaque fois qu'ils tapent. Donc, ouais, c'est bien d'un côté, hein, finalement. Bon, allez, ça commence à attaquer de l'autre côté. Je vais juste me prendre ça en plus. Je vais prendre des petits soigneurs, tiens. Ça fait très longtemps que j'ai pas pris des soigneurs. Alors, monsieur Alex est en train de d'attaquer. Ah oui, il attaque en mode bourrin, lui. Il est en train de vider tous ses slaves dessus, en fait. Ok, utilité, easy. Ah ouais, oui. Tu vas te faire défoncer par lui. Voilà. C'est ça que j'aime bien dans l'électrocanon, c'est que ça paralyse et en même temps tu prends des sacrés dégâts. Ouais, lui qui est en train de les défoncer un par un. Ils sont bien ces petits canons, ils sont super bien, ils sont très nombreux, ils font pas mal de dégâts. Ouais, raté. Et eux, ils vont tous se faire défoncer. Voilà, petit à petit, ils se font défoncer, t'as pas de chance. Bon, bah voilà. Hop, monsieur Lego, il est en train d'attaquer de l'autre côté. Il est en train de charger la zone. Voilà, donc il est en train de balayer des roquettes. Ouais, pas mal, il a failli tous les avoir. Mais maintenant, il fait comment? Ok, il déploie les petites troupes. Oui! Allez, go les gens! Go, 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 go! On est en train de les suivre en direct. Oh. C'est moi, ils se sont fait défoncer d'un côté. Ah. Alors, ils vont là. Ah, ok, c'est pour piquer les petits points ici. Mais ils vont se faire défoncer par eux. Normalement, eux, ils ont une portée jusqu'à là. Donc, à partir d'ici, ils commencent à morfler. Et heureusement qu'il y a cela quand même. Ils ont quand même pas mal de points de vie, c'est surtout ça aussi. Ils sont trop dispersés, ils se font défoncer par eux deux, plus eux deux. Putain, c'est l'anarchie ici. Ding. Bon, l'avantage c'est qu'ils tirent quand même toutes les 4 secondes. Donc c'est déjà un bon point. Putain, il vient de se prendre un gros obus sur la tronche lui. Ch'ting. Ch'poum. Non, t'aurais pas dû les envoyer. Ah si, quoique. Parce que je pensais en fait que lui il allait tirer sur lui, mais il tire sur lui d'avant. Non. Ah, t'as... Ouais, c'est bon. Bon, c'est bon, t'as quand même gagné 18 points, ce qui est quand même pas rien.
J'adore le petit canon qui se trouve sur le côté. Ch'ting! Voilà, maintenant Trinax est en train d'attaquer Brison. Ok, Tarniol, il s'est fait défoncer. Très bien. Alors, il rebalance l'Islav. Une seule aurait suffi, je pense. Ah, quoique deux. Ouais, ça va, tranquille. Donc, les roquettes sont finies. Il balance également les petits. Bon, en fait, étant nombreux comme ça, quand t'as pas de roquettes, c'est bien. Quand t'as des lance-flammes, c'est très mauvais parce qu'ils crament direct. Eux, ça va, ils les one-shot pas. Ils two-shot. Ou quand t'as des lance gros boulets, là-dessus, ça fait très mal. Ah, ils sont en train de les assécher. Hein. Faut qu'il fasse surtout attention à ça. Ah. Ouais. Il vient de se faire défoncer. Ah, ça va qu'il puisse pas les toucher, parce que heureusement. Ch'ting. Ouais, il aura peut-être sa chance, hein. Il aura peut-être sa chance, quoique. Faudrait que eux se redirigent vers eux. Ouais, c'est parfait. Ouais, peut-être qu'il a sa chance, hein. Ouais, et puis s'il aide, bah ça va. Ouais, ça va. En 2 minutes 15, il a largement le temps de faire ça. Finalement, j'attaquerai avec des petites unités, moi. Bon, j'ai pas mal nettoyé quand même sur l'autre partie, moi, mais... Bon, bah c'est cool, ça. Ça fait déjà 12 minutes, très bien. Ouais. Tritax, il a fait un beau boulot. Même avec des petites troupes, en fait, on peut tellement les défoncer. Allez, easy. C'est bon, il a gagné tous les points. Surtout lui. Au revoir. Oui. Et bah ça fait un beau jetpack pour lui, tiens. Et bah voilà, 86 sur 86. Bon, maintenant, alors, il y avait Thomas qui a détruit Tarniol. J'ai 7 points, lui. Voyons la bataille. Bon, en même temps, il ne restait pas grand-chose. Hein. J'ai un petit peu nettoyé les choses. Ça fait surtout mal, les roquettes sur eux. Ouais, ça va. Il est gris et puis il les descend bien. Ouais, c'est bon. Hop là. Eh bah, magnifique. Magnifique. Eh bah, c'est bon, ça nettoie plutôt bien. Alors, il y a Darkos qui est en train d'attaquer. Il va en mode tank. Il va en mode tank sauf qu'il s'est mis en plein milieu du champ. Ça fait extrêmement mal des deux côtés. Il aura même pas gagné un point choix. Au revoir. Bon bah voilà. Ouais. T'as été trop au centre. Arceor, un truc comme ça. Oxfrat, hein, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il va en mode bourrin. Ah, c'est bien, ça le nettoie en tout cas. Mmh.
Ah, ça va, ça nettoie bien. Allez, la famille des 5 canons, ça fait son boulot, hein. Ouais. Là, ça, on va en faire 5 par 5. Tuc. Bah 6 avec lui, 7. Ah, dommage. Au revoir. Bon bah voilà. Ce fut fini. Eh bah dis donc. Bon ça va, on a quand même détruit 2 cibles sur 4. C'est déjà pas mal. 50% sont faits. Lui il en a pas loin. Donc oh ça va, c'est plutôt cool. Dommage que je puisse pas réattaquer encore. Mais bon voilà. Qui d'autre? Alors, Gina est en train d'attaquer. Allons voir un petit peu ce qui se passe. Gina est en mode bombardier et... Oui! Oh, GG. En mode bombardier, char, petite unité, soigneur. Si eux se font toucher, eux ils vont aller l'aider. Bon, généralement ils se font one shot avant, donc du coup, c'est pas trop un problème. Alors, du coup, les soignants, les soignants. Bon, ça va, les soignants sont quand même pas cons. Ils restent quand même derrière les lignes. Oui! J'aime bien comment ils sont pas du tout précis les trucs. Et encore heureux qu'ils sont pas précis parce que sinon ça serait trop pété, sachant que leurs distances peuvent vraiment aller loin. La preuve, lui en fait, il peut viser lui comme il peut viser lui, lui ou lui. Oui ou lui. Ah, oui. Sur un crash, il faut niquer le lance. Ouais, lui, de toute façon, on va y passer. Hein. Ah, ils attaquent aussi par là. Ah, je l'avais pas vu ça. Ah, c'est pas con. Ça évite en fait de tout balancer. Par contre, ils se font défoncer là. Même ils se font soigner, ils se font défoncer par lui. Et lui. Mais ça va, les petits soldats, ils sont plutôt... En fait, ils tirent vite, c'est ça qui est cool. Les soigneurs sont là, ils vont se faire défoncer s'ils restent trop ici par contre. Ouais, ça va. Non. Je pensais qu'il allait se mettre sur la mine ce con. Lui il est mort. Alors les soigneurs sont vraiment cons. Hein. Ah, il y a lui. Oui. Bzz. Ah, j'adore. Oui. Ah, il y a une perte de connexion. Ça serait con de perdre la connexion à partir de là. Je crois que actuellement c'est le cas. Il a perdu la connexion. Ah non, c'est bon. Par contre, la fumigène qui dure 150 ans, du coup. Bon, de toute façon, il va très clairement pas. Très clairement pas y arriver. Roro, allez, le petit Roro 07, il est en train d'attaquer également. On va voir ce que ça donne. Ouais, ça va, il est plutôt vidé le machin, donc on devrait y arriver. Il y a surtout lui en fait qui dérange.
Lui, il va les griller. Ah, ça va. Ouais, ils se font défoncer au quart de tour, de toute façon. Ouais, il a de la chance. Hein. Ah, il attaque ancrage après. Ok, bah s'il y arrive. Hein. Oui, vas-y, vas-y, tu vas la voir, tu vas la voir. Ouf. Ouh, ça fait mal ça. Ça fait très mal. Vas-y, tu peux le faire, tu peux le faire. Vas-y, vas-y. Et merde. Ah, c'est con. Ah, c'est con. Ah, dommage. Ah, franchement, dommage. Bon, lui, il va le terminer, hein, forcément. À coup de roquette, hein, il peut le faire. Oui, non, mais à coup de roquette, pas à coup de petite bombe. Tu m'étonnes qu'il est trop déçu. Tu m'étonnes. Ah, électro-bombe fait tellement mal. Bah, c'est un level 8 ou 9, donc bon. Vas-y, attaque. Normalement, c'est bon. Voilà. Bon, bah voilà. Ancrage fini. Ancrage fini. Maintenant, il faudrait du quantum. Allez, qui pour tank quantum? Qui pour... oula, pure de quantum. Qui pour du quantum? Quantum une fois, quantum deux fois. Il pourrait... Ah, bah, ils sont en train de charger. Il faudrait attaquer là, mais il y a lui. Ok, alors je décide d'attaquer par là-bas. T'aurais dû marquer des points ici. Ça affaiblit généralement au milieu. Donc, Putain, les mines, qu'est-ce qu'elles font mal! Pourvu que, en fait, les roquettes ne tirent pas sur les soigneurs. Et t'as vu comment elles font mal ces roquettes? Ouais, ça va pas durer longtemps finalement. Bon, au moins il aura affaibli, il aura 3 points. Putain, les trucs, il est one shot quoi. Ouais, c'est bon, t'as fini. J'adore, ils se soignent entre eux. Putain, l'anarchie des roquettes sur le mec. Bon, il se retrouve un petit peu con là, Nagu. Bon, bah voilà. Bon, bah Quantum s'est fait. Pas du tout. Ah, c'est lui en plus. Bah alors, je pensais que t'avais des troupes plus gros, plus puissantes que ça. Rect, complet. Complet. Mais littéralement complet. Rect, le pauvre, franchement le pauvre soigneur juste à la fin. Ouais, t'inquiète pas, on va pas te kicker. Bien voir la reconnaissance, un petit peu ce que ça donne. Ouais, j'ai tellement envie de l'attaquer. Pour terminer la petite vidéo, on va l'attaquer ici. On va attendre, 30 secondes pour que eux se finissent. Et puis du coup... Non, en tout cas c'est cool, franchement c'est cool. Bon bah lui il reste 3 heures pour éviter de me faire... Ouais, quoique piller, je m'en fous un peu là. Peut-être l'or éventuellement, mais... J'ai pas des trucs à améliorer ici. Il y a ceux-là, ça coûte quoi? Ouais, la vache, ça coûte cher. Il y a ceux-là que je voudrais bien. Non, pas les cryos. C'est lesquels? C'est ceux-là. Les bestioles, mais bon, il faut augmenter le QG d'un level quoi. Ça coûte 4000 gemmes, YOLO. Donc, bah, c'est cool, on va attaquer lui. Tiens, un petit soigneur avec, hop.
Ah, l'anarchie! J'aime bien parce qu'ils se soignent entre eux, donc du coup... Et va te coucher, toi. Oui, je me soigne plus vite que ton ombre. Et ben voilà. C'était easy, j'ai dû en perdre 4 ou 5, mais c'est tout. Ouais, 2. Bon, bah c'est magnifique, voilà. Ah, c'est en train d'attaquer, Alba. Allez, allons voir le dernier. Oxfat. Oui, c'est pas mal de vider tout son chargeur dessus, mais... Et ensuite? Non, me dis pas que t'as vidé quand même tout, là, actuellement. Ok. Et sinon, t'en as d'autres? Ah oui, d'accord. Ah, il va pas aller loin, par contre, hein. Si les deux là s'y mettent, oh bah ceux-là en plus, alors... T'aurais dû le balancer avant. Trop tard. Ouais, pour deux troupes, hein, tu pouvais laisser. Hein. Pour deux troupes... Ouais, MDR, mais c'est tellement ça. On débarque, on se fait défoncer, on rentre à la maison. Voilà, voilà. Tiens, lui, on va l'attaquer un peu. J'aime bien attaquer les gens de mon clan juste pour montrer ma puissance. Ouais, il est pas mal haut, lui. Oui, oui. Allez, tous en force. Ah bah c'est bon, ça devrait le faire. Là. Allez, revenez par ici. Par là. Pouf. J'adore les petits qui en mode oui, j'arrive. Et attention, dans 3, 2, 1, c'est fini. Le coup de massue sur le QG, c'est trop cool. Bon, bah voilà. Ouais, comme ils vont corps à corps, ça fait généralement le mal. Ouais, il reste 38 personnes, de toute façon, ça va être tranquille au niveau de l'OP. Généralement, c'est les personnes... Il y a qui? Ouais, il y a David qui est parti, je crois. C'est le fake, hein, pour info, c'est le fake, hein, c'est pas le vrai. Tac, 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 ouais, c'est bon, il y a largement ce qu'il faut pour terminer. Nous, du coup, on va se laisser là. Merci d'avoir suivi. J'espère que, en tout cas, ça vous a plu. Dites-moi s'ils en voulaient d'autres. Et puis voilà. Attends, Zebri, il est pas attaqué, je crois. Non, Zebri, The King, il est pas attaqué. Voilà, bon, les bisous tout le monde et à la prochaine. Bisous.